Maintenant, nous rencontrons avec la presse une autre fois. D'abord, continuer à fixer position nous sur la situation difficile que le pays a fait face. Deuxièmement, pour nous continuer à demander avec l'État haïtien pour prendre décision pour baisser le prix gaz là. Deuxièmement, pour nous annoncer un cocaine-chain rassemblement devant l'ambassade Canada jour cap lundi 7 d'août cap venir. Pour qui ça nous choisit devant l'ambassade Canada? Nous choisit pour nous rassembler devant l'ambassade Canada dans le cadre de préparation activité 14 août à 22 août. D'abord pour nous dire qui ça? Pour nous parler avec un initiateur qui te mette campé le corps groupe. Corps groupe là, c'est syndicat malfaiteur qui réunit dans le cimetière Port-au-Prince, qui est dans le ensemble ambassadeur. États-Unis, la France, le Canada et autres. Mais moun qui te prend, pays qui te prend initiative là, d'abord, c'était le Canada. En 2003, le Canada te prend initiative pour mettre campé. Syndicat malfaiteur ça. Mais l'objectif, c'était de mener Haïti sur un protectorat. Mais vous avez quoi pour mener Haïti quand vous avez besoin? Faut que vous assurez, vous déstabilisez, vous crasez tout ça Haïti te gagne comme institution. Crasez l'estomac pays, crasez pour mon pays, crasez sa pays à représenter, te gagne comme institution qui te permet de camper. Le Canada joue un rôle prépondérant dans l'instabilité que nous trouvons aujourd'hui là. Je dis encore, Canada, la France, les États-Unis, ils ont fait tout ça capable pour écraser, ça nous relève non seulement institution police, pendant que soi-disant dit, c'est eux qui ont formé la police, c'est eux qui ont fait formation police, et puis nous voyons qui police pachiment, qui police rabi, qui police raté que le Canada, la France, les États-Unis, bah nous. Eh bien, je dis à policiers, ça, ok, autant de tout corps spécialisé, pas qu'à Gouma, 20 bandits. Mais ce n'est pas incapable, la police incapable pour ma bandit, mais c'est mise en place yo fait pour la police toujours paraître faible devant bandit, parce que yo même yo gon agenda, yo gon plan, yo gon projet que yo tap mené. Et dans quatre projets, ça, yo presque arrivé avec nous, jusqu'à ce que je dis, ouais, y a fait promotion Kenya. Le Canada, les États-Unis, la France, nous t'arrêmes. Nous faisons comprendre que nous comprenons le jeu qui a joué. Il faut nous rendre compte. La campagne qui fait, et la campagne qui a fait là, où est tout le monde a parlé côté Haïti, pas capable, fort qu'Haïti, c'est occupation, son force et étranger qui pour venir pour retirer nous dans sa nuit. Mais c'est une préparation. Ils ont préparé nous psychologiquement pour nous c'est ça à nous demander. Pour qui ça aujourd'hui, dans toute grande émission qui a fait, nous c'est des gros médias, pas de débat qui fait pour qui ça l'État haïtien refuse créer une tax force entre l'armée, la police et même monsieur qui n'a cap sécurisé et protégé BESAP qui a pile ancien militaire qui a formation pour qui ça pas font tax force côté dans cadre opération vous va faire non quartier non zone contre bandit côté 200 300 500 nègres débarquer dans le périmètre ça. Est-ce que nous comprenons si demain matin, il y a une opération, 500, 700 hommes, une squad débarquer dans le quartier Vite l'homme, ce n'est pas 10 policiers, ce n'est pas 5 policiers, ce n'est pas 15 policiers sous des petits blindés. N'importe opération qui a 200 300 hommes armés de galil, de haches, de manchettes, de marteaux, de birins, de lance à gaz, de ça nous relève grenades à fragmentation mener opération village de soit village de Dieu ou bien d'Orsel m'ba nous garantir monsieur y a sorti avec soit yo sorti avec dit l'homme vivant ou bien yo arrêté le pour que jamais aucune opération que la police l'armée mettez ensemble pour ta montrer que yo de bonne foi comment pour une institution. Yo refusé utiliser ces institutions. Yo refusé ba institution les moyens
pour agir. Et puis tout le monde, à travers les médias, radio, opinion, salon, l'État, ils ont tout à dit, la police n'est pas capable, l'armée n'est pas capable, il faut que c'est étranger qui vient là. Vous devez comprendre, si les militaires ont essayé dans l'opération, ou bal toute l'attitude possible, ou bal moyen, ou prend police à même gens, ou équipe avec ensemble de sales besoins, qu'on y a mette dans l'opération, qu'on y a ou est malgré ça pas de résultat, on de ka comprendre, qu'on y a pour m'ap chercher l'autre alternative de renfort. Alternative m'ap pour m'chercher, c'est pas alternative pour m'retirer, pour m'caser ça m'gè comme institution, mais c'est des alternatives pour m'vin renforcer ça m'gè comme institution. Messieurs, dames, bal di nou bagay. Et c'est peut-être ça nous dit. Le 7 août, kap vini an, nous pral manifester, nous faisons un rassemblement devant l'ambassade Canada. L'ambassade Canada, c'est son façon pour nous continuer à signifier à la communauté internationale, là, dans le corps groupe, pour demander le corps groupe, pour demander le Canada, pour suspendre la solidarité avec Ariel Henry. Parce que si la communauté internationale là, retirer tout support et appui que y a by Ariel Henry. Ariel Henry a une situation pour le démissionner. De fait, Ariel Pralé, n'a pas un gouvernement qui est techniquement compétent, politiquement conscient, il a rétabli l'autorité de l'État, il a rétabli la paix. Moi-même, je dis, pour nous finir, équipe qui est venue là, qui a touché 200, 300, 2000, quantité de village de Dieu, il faut rétablir l'État dans le village de Dieu. Quel que soit ça coûte, il faut que l'État entre étincelle pour rétablir la paix. Il faut que reste les gens qui matissent, qui passent par le caï. Il faut que la paix, il faut que l'axe pour ça rouvre. Je n'ai pas besoin de conséquences là, mais c'est l'État, messieurs, dames. Je n'ai pas besoin de connaître, c'est moins de tout sur le Canada. C'est FEM, c'est SEM, de vous avez des âmes dans le monde. Vous refusez de poser des âmes, vous n'avez pas des âmes dans les âmes, vous touillez dans les âmes. Vous faites choix avec des âmes, et il faut admettre que vous touillez. Pour rétablir la paix, pour reste moun yo capable. Ou bien ou même ou décider, ou déposer les armes, ou entrer dans un programme réinsertion, mais quand c'est l'État, à faute de Dieu, tout puissant, non, son menti à banou, c'est pour Ariel Henry qui travaille, c'est pour pas gagner l'élection, c'est André Michel, tout qui met ensemble, pour pas gagner la paix, pour pas gagner stabilité, et puis il y a beau discours, élection. Mais vous connaissez très bien pas de l'élection, vous connaissez très bien pas de la paix, mais vous avez là, comme projet à son projet pour venir avec Blanc, vous avez tout le monde de parler de Kenya. Kenya. Non! Et là, nous avons ça, nous avons fait. Et militaire là, est-ce que nous essayons? Est-ce que nous essayons tout ça, la police? Imaginez-nous, nous avons dit pas de ZAM. Vous ne pouvez pas ZAM là, mais c'est en dans le DCPJ, pas vrai? Nous dépôts dans le DCPJ. Ambassade américaine va le servir avec eux. Bon, ambassade américaine, vous voyez, vous d'accord, vous voyez, vous venez tout, vous population. La police a arrêté, vous saisissez les amis, et puis les amis, je dis, l'armée n'a pas qu'à servir avec elle pour rétablir la paix dans le pays. Et messieurs, dames, journalistes, parce que c'est l'homme qui peut arriver sur vous, ça n'a pas gâteau. Parce que c'est où il pas où il est kidnappé, c'est Blondine qui est kidnappé, c'est docteur Jean-Pierre, c'est ceci qui est kidnappé. Non. Les différents pour un côté, sous pas tuer différents, la boule tout côté. Nous pas décidé de gommer contre gagnant pour tuer, marcher sous pifon ville là. Je dis à nous demander publiquement que l'armée d'Haïti, je nous entends avec CSPN, CSPN prend à l'un dépôt, compter des armes qui gagnent dans ce pays, à toute munition qui gagne, baille l'armée, et puis qu'on y a là, baille l'armée 2 à 3 mois. Si l'armée n'est pas arrivée, rétablie la paix, sécurité.